Là, on est parfait. J'ai le retour. Donc, salut à tous, on se retrouve pour du code. Miam, 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 le nouveau est arrivé. Donc, du coup, on n'a pas encore testé la campagne. Alors, je ne sais pas, je n'ai rien vu, je n'ai rien regardé. Comme ça, je ne me suis pas fait spoiler du tout. Vous pouvez modifier le pseudo. D'accord. Bon, bah, du coup, j'ai lancé la campagne, il y avait une mise à jour. En tout cas, j'espère que vous allez bien et tout ça. Alors, je n'ai plus fait de vidéo plus trop sur la chaîne ces derniers temps. Disons que je suis un peu pris entre le fait que j'ai un peu du mal avec la connexion internet puisqu'elle merde beaucoup et le fait qu'il y ait que j'apprenne le japonais en même temps. Donc, je vous avoue que c'est pas évident. Faut se remettre un peu dans le bain. Bah vous profitez bien du jeu parce que c'est vrai que bon entre tout ce qui parle SBMM, tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. Pour la plupart d'entre vous, vous apprécierez le jeu, hein, et puis de toute façon, vous n'allez pas passer votre vie sur le dessus. On a tous une vie, hein, donc y a pas besoin de se donner corps et âme au jeu. Du coup, il y a eu les trailers, donc je suppose que bon, ça prend la fin ou Adler est en vie. Puisque la fin, si vous vous rappelez bien, quand on avait fait le Cold War, alors il y avait deux fins. Il y avait une fin où on tuait tout le monde, donc je suppose que c'est pas celle-là qui a été gardée, et la deuxième fin. Donc du coup moi celle que j'ai faite en live c'est celle où on a aidé en gros l'équipe. Dans Black Ops tout ça avec Adler tout ça et du coup à la fin on a eu une cinématique comme quoi les deux s'entretuaient. Enfin ils se visaient au moins avec une arme ça tirait. On ne sait pas s'ils étaient morts ou pas. Mais du coup on va voir si du coup si cela continue. Est-ce que c'est vraiment la suite ou est-ce que ce sera autre chose? Est-ce qu'on partirait pas directement sur le vétéran? Bon, allez, on y va. Est-ce que vous allez le nier? On en a déjà Qu'est-ce que discuté. Vous voulez de plus, Livingstone? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là! Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous avons. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, monsieur Woods. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Arrow et Case. On dirait qu'Alaoui est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Non, surtout si c'est un contrebandier. Mais je suis sûr qu'Alaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec... Wait the fuck up, samurai. Duel sur le convoi. Marque la cible, à vous. Reçu, équipe au sol. Cible confirmée. J'attends votre feu vert, à vous. Maintenant. Outlaw 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. Il attaque. Attention au ralentissement. Livingston a besoin d'Alaoui vivant. Compris. Barrage direct au point d'exfiltration. Oui, oui, pas d'inquiétude. 5 minutes. Alaoui est un ministre de la Défense, proche de sa dame. Ses hommes sont sûrement bien entraînés et lourdement armés. Deux cibles abattues. C'est pas fini, continuez d'avancer dans la foule. Allons-y! Alaoui est dans un véhicule noir.
calme. On te fera aucun mal. La CIA? On a bien un accord? Un accord? Pas avec nous. T'allais où? Foutaise, vous mentez. Votre homme allait me faire sortir. De qui tu parles? C'est à nous. Non, c'est pas irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Nous en partirons, on continue comme ça. Allez. Que je comprenne bien, monsieur Marshall. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. Vous devez agir vite. Notre fenêtre Madame se fermait. Madame Haro, a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires. Oh, et ça, je sais. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. D'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloque notre exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question. Farage, tu m'entends? On se dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Fais chier, Troy. Sage décision. Case, commençons par les affaiblir un peu. Ok, 1-2-1-2, c'est bon. Alors, techniquement, donc d'accord, on joue Troy maintenant. Donc, on a un gars qui s'appelle Troy. Je prends le R6, c'est ça qu'il m'a dit. Au boulot, Case. Je dois aller où, très exactement? Ok. On va faire un R6D. Ah ouais, nickel. C'est notre seule option. Ok, ça a été sauvegardé, nickel. Barrage, on est plus très loin. Barrage, réponds-moi. Vous êtes sûr qu'il sera là? Contente-toi d'avancer. On fait des cibles faciles ici. Hop. Projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Jane? Tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de l'Anglais. La CIA est compromise. Et papa, moi, je ne suis que le bouc émissaire. Et t'espères qu'on va te croire? Hey Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez! J'ai un message pour Wood. Ah ouais? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Faut y aller. Dans le véhicule! Case, prends le lanceur!
Oh, j'ai trahi. Aucune menace n'est visible dans le ciel. On est bon. Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall. Pourquoi on est là, Haro? Parce que vous savez quelque chose. Vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de mijoter. Les enfants et moi, on a besoin de prendre du recul. Tu sais, nous évader un peu. Réfléchir à tout ça. Écoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux. Mais si les choses tournent mal, vous devrez vous débrouiller. Entendu. Je t'en dois une. Une? Ouais, des dizaines, tu veux dire. Rends-moi service, Troy. Évite de te faire tuer. Je vais voir ce que je peux faire. Action. La mer Noire. D'après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB en Bulgarie. On l'appelait la Tour. Oh là là là. L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des planques. Ce qu'on a trouvé ici ces deux derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone et même sur la CIA. Pas de temps à perdre, tu connais le plan. C'est Vati Dumas que tu vas rencontrer. Je sais pas vraiment pourquoi Adler l'a contacté, mais c'est notre seule piste. On peut pas lui faire confiance. Adler devait s'en méfier. Qui sait ? Elle pourrait faire partie de ce putain de panthéon. Faut qu'on prenne le risque. Dumas a accepté de rencontrer Case à Avalon, alors on y va. On est parti. Adler nous a pas trop laissé d'infos sur ces Vati Dumas. Mais je peux te dire deux, trois trucs sur Avalon. C'est le terrain de jeu des riches et des véreux. Elle est sous le contrôle des criminels. Tout le monde cherche à se débarrasser de quelqu'un. Quand ils ont leur cible, ils embauchent quelqu'un comme ces Vati. Elle faisait partie de la guilde, l'une des factions les plus puissantes d'Avalon. Là, elle est à son compte. C'est Vati dit qu'Adler l'a engagé pour suivre une piste du Panthéon. Tu vas donc l'accompagner pour sa mission ce soir. Le but est de découvrir où cette piste nous mène, voire éventuellement recruter quelques bras. Eh ben on est parti, première vraie grosse mission. Oh, je m'excuse du coup, je viens d'entendre que ça faisait des claps à chaque fois que je coupais le micro, donc j'en excuse. Salut Case. Regarde sur le téléphone. Je coupe pour éviter que vous m'entendiez. Il s'appelle Yannick. C'est un courtier de la guilde. Johan et Seidi. Assez près pour voir si tu te foires. Quel pas. Les fêtes de Yannick m'ont jamais intéressé quand je fais partie de la guilde. Mais c'était l'occasion idéale pour apprendre à se fondre dans le décor. La soirée. Ça ne m'a l'air d'être prévenu. Quand est-ce que Yannick viendra le chercher? La fête va pas durer toute la nuit. On pense clocher. Apparemment, il y aurait un tas d'argent près de l'hôtel. Le paiement initial du Panthéon à la guilde. Dans... Ah oui, ok, d'accord, c'est par là. Ah oui, d'accord, j'avais fait le tour. Yannick devrait recevoir l'appel du Panthéon d'une minute à l'autre.
Souviens-toi, Case. Ne tire pas à l'intérieur. Il est entouré de femmes. J'ai pas fini la campagne. Ah bah, là, je viens juste de la commencer, c'est le début. Les gars, vérifie qu'il ne manque rien. Tout est là. Que ce soit clair, c'est la première et la dernière fois qu'on fait affaire. Je veux pas être mêlé à la... Élimine-le. Yannick était que le premier domino. On a encore du boulot pour ce soir. Retourne à la cabine téléphonique. Tu me verras arriver dans une camionnette blanche. Est-ce qu'on n'irait pas plus loin plonger ? Ah oui ! Ah bah là je suis en train de tout redécouvrir et tout. En plus ça tombe bien comme j'ai fait le jeu il y a l'autre là, il y a quelques... Et quelques jours. Enfin je l'ai fini quoi cet été? Fin de l'été? Du coup ça tombe bien Bon voilà. Bon bah quoi? Bah dis donc ça va pas non? En plus, il y avait le manoir et tout amélioré, etc. Ça vaut vachement. Je peux lui faire confiance. Ils organisent une réunion. En tout cas, moi, je sais que pour l'instant, le début est bien. Trois chefs de. Et voilà. La sécurité de la guilde n'y verra que du feu. Perso, ces pourritures de la guilde peuvent crever. Et si le Panthéon y passait aussi, ça serait parfait. Je descends ici. Bizarre. Ah oui, d'accord. Donc il y a Lyot avec ses lunettes. She didn't have to cut me off. Like that I can never. Now we were nothing. Ah oui, d'accord, ok. Tu pensais pouvoir. La situation est sous contrôle. Oh là là. Attends mon signal pour agir. Changement de programme. La cargaison doit être expédiée ce soir. Ah, vous les types de la CIA, vous êtes tous pareils. Il n'en manque un là. Cet individu-là. Venu gâcher la fête. Ah mais ça va pas, pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler, là, la vie de ma mère, là, je rêve, les gens. Mais regarde pas, toi, voleuse, va. Ça nous met la pression. C'est mieux à toi, essaye. On découvrira la vérité, d'une façon ou d'une autre. Montre-moi qui on a là. Allez-y. Pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Ça alors. Loin de chez toi, Kay. Cet homme est extrêmement dangereux. Ça va mettre 2 heures pour pas que je tue direct. Mince d'ailleurs. Attends. Ça. Faut pas que ça change quoi que ce soit pour lui. Oh là là, ça part à la John Wick. Ça y est. Ça y est. We have a city to burn. Thank you.
précision. Oh là, il y a les barres de vie là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, mais il y a des boss et tout. Ah ouais, mais sauf que moi je me suis mis en dernière difficulté, moi. Moi je pensais jouer un jeu de guerre, moi. Ah, c'est mort. Bah ouais, c'est mort. Pas le mieux placé. Parce que ça, j'avoue, c'est pas prévu. Et du coup, oh! Ouais, j'ai failli faire une Donald Trump, j'ai failli mettre une balle dans l'oreille. Il avait rien à me donner, lui. Il est où? C'était lui? Ah, voilà. Ah, voilà, là, on se comprend mieux, là. La limousine arrive dans la rue. Tire! Je vais essayer. Brûlons l'enfer, essaye d'y.